Bonjour à vous tous, ici la Lège Radio, j'espère que vous allez bien travailler. L'Empire romain avec des lieux saints, bah ça va pas être mal, hein, vous verrez. Hein. En plus, on va chatter, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire chatter? Ça veut dire avoir deux First Meet de cité, ta blanche. Et là, à partir de là, on se fera peut-être un petit Feed the World. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Parce qu'une civ qui a de la culture gratos, mais qui peut faire des lieux saints, ça veut dire une civ qui va plus rapidement sur tes logis, qui va débloquer plus rapidement ses bâtiments, qui va pouvoir snowball plus vite dans la game. Ouais, puis on va faire un petit chemin sacré. Personne ne va le voir venir celui-là, le chemin sacré. Alors. Ah, on va se mettre là, là. Regarde, petit chemin sacré, là. Bam! Ah, il est beau, hein. Ah, il est beau. Encore Rome, oui, mais cette fois-ci, on pose des lieux saints, coûte que coûte. Alors, est-ce qu'on va mettre donc le chemin sacré ou est-ce qu'on va faire autre chose? On va voir. On a un petit peu de gold en plus, c'est bien, on va pouvoir s'allouer le deuxième scout peut-être ou le troisième. Ouais, on va se faire double scout et on va partir sur un colon directement avec Rome. Pourquoi on va partir sur bah, le plus rapide colon possible avec Rome? Parce que le bonus du monument va arriver sur code juridique. Et donc du coup, on va essayer d'avoir sa B2, sa B3 le plus rapidement possible avec Rome, histoire de faire proc son bonus le plus tôt possible. Tout simplement. À quoi te sert la foi ici avec Rome? Rome, c'est une civ qui va très très bien hold les premiers quartiers ou les premières productions dans toutes tes villes. Si tu commences à faire des merveilles dans B2, B3 avec Rome, ça va être très bien. C'est genre, c'est une des civs qui peut s'allouer justement de la tempo pour faire ce genre de choses. Un jardin suspendu, un Artemis, un Stonehenge, t'as plein de possibilités justement pour faire en sorte que ta ville soit plus rentable que faire juste un petit monument en début de partie. Donc du coup, c'est une civ, grâce à son monument, qui va tenir très très bien les différentes productions de ce type-là d'early game. Et avec le lieu saint, ça va être la même chose. Le lieu saint, on a un problème justement en early game, c'est que tu dois choisir quand t'es une civ monument entre faire un monument ou faire ton quartier. C'est quasiment la même production. Et donc du coup, là, on n'a pas ce problème de monument parce qu'on va pouvoir faire donc le premier quartier du jeu disponible, qui est le lieu saint. Du côté de Rome. Donc, on va essayer de faire un bon lieu saint à droite à gauche. On va en avoir deux bons de toute façon ici. Et après, on va voir comment on va réussir à snowball. J'imagine un Feed the World pour aménager beaucoup de trucs, pour pouvoir avoir les plus grosses villes. On va voir si on fera vraiment ça. On aura peut-être un corral à la place pour avoir vraiment énormément de culture, mais j'y crois pas trop pour le moment. En tout cas, c'est une cible qui tient très très bien les premiers quartiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que poser un campus directement, c'est bien. Poser une plateforme commerciale en ayant cliqué plateforme commerciale, c'est top. En ayant sorti 5 villes, parce que, bah, encore une fois, t'as pas besoin de sortir tes monuments. Donc un petit bat pour chop avec ton Magnus après salle ancestrale. Tout ça, c'est énormément de tempo en début de game. Est-ce qu'il y a un russe? Je sais pas. On va dire que c'est pas important. On prendra tout. Non, il n'y a pas de russe. Il n'y a pas de russe. On sait qu'il y a une seule civ religieuse et que c'est Varangian. Le Pantalassa, c'est chez nous, je crois. Hein, non. C'est pas chez nous, c'est chez personne. Hello, Boestius, if you are there. I hope you're well. Et Manu après, bien sûr, Manu. Bien sûr, bien sûr. Non mais pas aux elfes de la foi. Non mais non, pas aux elfes de la foi. C'est pas que la tempo du lieu saint. De toute façon, vous faites n'importe quoi avec cette cible, ça va être bien. Quasiment tout va être bien. Ah si tu lâches des greniers, mais là bon, c'est plus ma faute. C'est plus ma faute à moi. Ouais, j'aurais dû l'ailleurs une case en bas. Quelques milliards! On a une triple rivière ici. De la plaine inondable, l'Ofanto, ça c'est chez nous. Toujours grenier first, c'est important, c'est important. Oh, c'était d'autres musiques ça, quand on partait en bus, faire une sortie scolaire. Vrai ou pas? On se mettra sûrement sur le riz ici, avec une 2-2 à côté, avec une 1-3 en ring 2. Y a pas beaucoup de choses à côté, là on voit y a peu de bois à chop en ring 1, mais bon,
Ce sera le choix, j'imagine, un petit peu par défaut qu'on fera. On verra si à droite il y a un petit peu mieux, mais on avait de la côte qui était au sud. Team Fondubus! Un Civ 4-5 qui parlait de ça, tac tac. J'ai été regarder sur Gamivo les prix de Civ 6 parce qu'il y avait quelqu'un qui disait il y a les soldes de Steam, machin, Civilization, et à 10 euros, je sais pas, je sais pas, un truc comme ça. Et je lui disais que non, c'était pas vrai, que c'était sans les DLC, que c'était sans la grosse version évidemment de Anthologie. Et t'avais pas tout Civ, entre guillemets. J'ai été regarder là aujourd'hui et il y avait Civ 5 qui était complet à 2 euros. Voilà. Donc si vous aimez bien Civ 6, et si vous avez jamais testé Civ 5, peut-être que. Voilà, ça pourrait vous intéresser. Il était genre à 2 euros, j'étais là. C'est pas cher. Et Civ 6 c'est à 17, si je me rappelle bien, le Anthologie. Et la version Vanilla est à 4 ou 5. 10 euros l'Anthologie hier. Ok, voilà. Alors, il va falloir qu'on fasse quand même notre maïs, donc la petite poterie. Ok. La lumière. Oh, mysticisme. On va aller récupérer ça. Alors, est-ce qu'on va vraiment récupérer ça dans deux tours? Oui, on va récupérer ça. C'est pas grave si on n'arrive pas à avoir code juridique sur la première hutte, il faut l'avoir au moins sur la deuxième. C'est pas le même jeu, Civ 5, quand même. C'est pas le même jeu. Mais c'est peut-être le jeu qui ressemble plus à Civ 6. Est-ce qu'il y a une ambiance, il y a un truc, il y a une patte? Ouais, c'est chaud. Hein. Là, le guerrier, là, ça me fait chier. J'aurais voulu continuer de scouter avec lui. Il va falloir que je fasse genre un frondeur. On a un petit aqueduc ici, qui est correct. On va pouvoir peut-être se mettre... Donc, on voulait se mettre là. Hop, hop. Oui, oui. On pourrait peut-être faire un truc en triangle avec une ville ici. Balles et la côte encore au nord. Oh putain, mais il y a des barbares partout en plus. The fuck, je vais aller le prendre, ça, je vais le récupérer. Et un autre scout ou ouais, je vais faire un scout et je vais l'envoyer là. Non. Combien de tours pour revenir ici? Jazz barbare ou bien? Oh. Ok, cool. Bon. J'ai pas trop vu mon land. Est-ce que j'ai besoin? Ok, il y a une Égypte dans la game, non? Ok, poterie, hop. Astrologie derrière. On va s'acheter la petite case. On attaque ça. J'ai une belle victoire majeure, mais bon. Oh putain, c'est des villes de merde. Hein. On va essayer de récupérer la 1-3 après. Alors on n'a pas mis culte impérial, étant donné qu'on va faire un lieu saint assez rapidement. Mais j'aurais bien voulu avoir... ouais. Charmant ici, 1, 2, 3, 2... Il risque de pas avoir de bois derrière. Pas grand chose ici non plus. Pas sûr que je parte au chemin sacré. Hein.
Ok, on va récupérer ça. On part sur un petit colon. C'est qui le monsieur? GG. On va devoir trade avec l'autre là. Holy Sight Arbor, je pense. Ah. Il faut qu'on pose notre petit petit lieu saint. Alors là, je voudrais bien voir le level 2. Ah. Oh bien. On va se foutre là. Dix deux fois. Okay. Donc élevage en train d'être fait. Est-ce qu'on en a besoin? J'ai pas l'impression. Ah, le pays inondable, ça me fait chier. Hein. Et là, j'aurais bien voulu avoir ça en vrai. Faut que je me pose là. Sont mes autres lieux saints. Je peux en poser un là. C'est bien. C'est ça que j'imaginais. J'ai pas été chercher mon setup le plus fast. Hein. C'est vraiment pas terrible. Massacrer, c'est quand même pas mal. Hein. En vrai. Commerce, ok. Ouais, c'est pas mal parce que ici, il va proc un peu. C'est rigolo. Allez. C'est un peu chier d'avoir été aussi long à cette heure, mais bon. Ouais, c'était long, hein. Je vais retourner vers là avec lui. Lui va se faire hit. Et merde. Élevage. On va attendre pour élevage. On va partir rig. Je voudrais aller chercher ce setup. Le fait que je me mette là, ah, par rapport à là, c'est deux tours en moins, mais bon, je vais pouvoir me setup le plus proche sur ma rivière, soit là, soit ici. Ici, c'est très bien hein, pour mon Simac Duc. Et bim. Donc deux tours. Alors là on va être à 4, on va être à 3, faudrait premier empire. Faudrait bien finir mon lieu saint et repartir sur des colons après. On a un petit peu de gold.
Et on a la rivière qui vient de crue. Ça, c'est une Liang évidemment qui va partir. Là, il n'y aura pas de Liang. Il y aura mes aqueducs qui vont être genre un aqueduc là, un aqueduc là, un aqueduc là. Et on va s'étaler ici du coup. 1, 2, 3, je peux pas. Je peux pas faire ça. Donc il faut que je mette là. 1, 1, 1. Allez, on va se mettre sur le bois. L'autre, il pourra pas nous taper non plus. Aïe, aïe, aïe. Bonjour les banquins. Bien. Il a encore un setup là, le mec. Oh, oh, oh. Pas sûr de prendre prédicateur. Je suis assez près du mec. J'ai pris un gros gumball avec ça, hein. Ouais. Deux tours pour premier empire. On va continuer de gros. Et dans trois tours, on va avoir notre panthéon. On a les deux lieux saints qui tombent. Et dans deux tours, j'ai premier empire. Donc on fait un tour d'artisanat, on fait un tour de premier empire, on a premier empire, et on se remet les colons, on refait deux colons. Je pense. C'est bien de faire ça. Pas lâcher d'hôtel, je pense que c'est une bonne idée. L'hôtel, c'est pas un très très bon bâtiment. Ça va me faire deux toits par tour. Et après, c'est la religion qui va être bien. Alors que j'envoie un scout en haut. Donc là, j'en mets un coup de premier empire. Ah, on discount tout avec ce BE. Et sûrement... Arbor ? On a beaucoup de gros dans la ville. On va pas prendre un Fitzhaw, on va prendre un Work Ethic. On va commencer sur ça. Oh. Et là, je pourrais remettre. Je sais pas si je vais te chop, hein. Si je fais le sacré. Chemin sacré. Je trouve que c'est marrant. Genre, je joue juste en lieu sacré. Et je joue en Syrie. Ça a été up. On peut voir, on peut rigoler, non? Non, on n'y arrivera pas, hein, les gars. Ok. Ah, oh, ok. Là, je peux pas.
Ok. Ouais, par contre. Ah, il était chaud, hein. J'ai pas de batte pour mon activité. C'est pas terrible. On va essayer d'aller mettre un petit truc là. Là, j'ai un bon lieu sain. Là, j'ai un énorme lieu sain aussi. Et il me coûte de l'argent. Et puis là, j'envoie au milieu. C'est celui-là qui part. Là, c'est bien aussi. Faut que je trouve les plus gros lieux sains là. Ça m'a l'air d'être celui-là. Sur 19. Gouze. Là. Bah le gouze. On ravit les chevaux. Je vois pas où est-ce que je pourrais avoir si, des chevaux là. On va être très gêné avec ça. On va une centaine de fois par tour. Quel petit problème de gros. On va travailler un miel sur moi de toute façon. On s'est mis le Moksha dans la cape. Il est dans la merde, lui. Lui, il est dans la D, hein. Ordre national, prochain tour. Alors, attends. C'est les D. Oui, j'ai été en amitié avec le mec. Bon, je suis plus en 0. Je suis plus en moins 1. Prochain tour, on a le Moksha. Et après les deux colons, on va ressortir nos hôtels à ce moment-là. Je pense que je vais. Et là. Je sais pas où est le bon lieu saint là. Ici, ici, fou. Merci Tuco. Alors, on a bien pris ça, on n'a pas vu une seule cité-état du jeu. Dingue. Ouais, j'imagine que ça sera deux tours quand même prochain. On a la petite place de goût.
Parce qu'on va pas trop dépenser d'argent pour ça. On va juste la foutre ici. On va voir prochain tour. Donc combien de prod? 12, 10, 10, 15. On va pas l'avoir en one turn, c'est sûr et certain. Il faut ici. On peut partir là. Ou alors je vais là. La côte j'aime pas trop mais bon, c'est rapide et peut-être que je vais avoir de bonnes nouvelles. Là c'était bien aussi hein. Deux poissons là en vrai. On va essayer de faire bait le monsieur vers là-bas. Ici campus, zone indus, un barrage. Ah non, c'est pas terrible, pas terrible. Allez, on va faire les hôtels. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah merde. 3 tours quand même. C'est long. La prod au moins qu'on a là, c'est un petit peu dérangeant, mais bon. 2 points, 4 points. Alors là, on va où? On va sur le cheval? Cheval, j'aime pas trop. Hein. Je préfère ça. 4 tours, 6 tours. J'ai envie d'avoir un Magnus qui va te choper un peu tout ça là. Toutes les carrières. Mal joué le scouting à droite. Hein. Ah, j'aurais dû y aller au nord. J'espère qu'il m'a pas trop box le Maori. On verra. Bonjour Sug. Bonjour Genova. Vous allez bien? J'hésite pour un plus de gouv là. Deux tours. Rigolo le petit plus 7 là, plus 7, plus 7, plus 5. À l'arc, ouais. On va partir à ingénierie d'abord. Maçonnerie, hein. J'ai envie d'avoir mon prochain titre de gouv pour mettre mon Magnus le plus rapidement possible pour faire proc sur un menu le Magnus dans le Gnome. Ok, pour le prochain tour, je devrais même peut-être... Ouais, non, c'est trop cher. Et après les lieux saints, hein. Les hôtels. Bon, je pense que c'est même plus intelligent de faire une prière. Deux tours. Non. On aura les hôtels à la fin quand la religion approche, ça sera ok. Et on prendra quoi? On prendra donc Orcatique? Nous, ce qu'on veut, c'est avoir théologie. Rapidement. Étant donné qu'on a des gros lieux saints, on veut faire proc ça le plus vite possible. Donc un petit Stonehenge, ça aurait pu être pas mal.
Stonehenge, putain, on aurait pu Stonehenge. Non, on aurait pas pu Stonehenge. Côté de Hill Kill, le Hill Kill, je vous rappelle, c'est quoi? Production plus 50% lors de la construction de merveilles et de quartiers sur les cases adjacentes. Donc ça aurait pu être bien. Là, on peut se faire, par exemple, un petit Tartami. Et on va s'acheter cette case-là. Ah, j'aurais dû mettre le coup des cases, j'ai acheté une case, ça m'aurait fait 6 gold de moins de dépenser. Vite de chien. Il m'en faut encore une. Pas sûr que Predict soit vraiment worse. On est vraiment collé aux autres cibles, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ça? C'est un item ça? Bonjour Thibaut Gorin, bonjour Endal. Ouais, il faut que j'arrive à mettre un discount sur ville 1 et 2. Est-ce que c'est des arbores? Je pense que c'est un campus ici là. Ce sera pas mal. Il va falloir que j'achète une case aussi. 3 tours. Putain, mais... arrive jamais. On va retourner en bas avec ce scout là. Je sais pas. Et ben ça peut arriver des gars. J'accepte. Je vais avoir de la culture en plus avec les deux nouveaux settles. Ou si Teta qui a été tué là. Ah, 3,4 points, donc c'est-à-dire que dans deux tours, on va voir sa religion. Et on va partir sur une salle d'audience directement. Mes bats ne vont pas coûter grand-chose. Ah, j'en ai pas fait un. Hein. J'en ai pas fait un. Hein. Il me faut maçonnerie, il me faut écriture, il me faut irrigation, je vois de l'olive. Est-ce que c'est un colon qui repart après? J'ai l'impression. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
pas d'audience avec mon Magnus qui tourne, hein. Bon. Je vais partir théologie, donc je vais pas avoir de nouveaux titres de goût. Donc je pense pas que ce soit essentiel. 24 deux fois sitôt. Eh oui, j'ai pas mes hôtels encore. Bah j'ai chemin sacré, c'est normal. Et après tout ça, donc machin, machin, écriture. On partira sûrement sur ça, mais on voudra tir à l'arc, équitation, construction. Et on va faire des. On va faire des séries, ça devient. Est-ce que je prends vraiment Work Ethic? Alors il me faudrait un petit stack de prod. Une cité-état, c'est vraiment dommage. Hein. Allez, on est reparti au scouting. Je fais le début d'un bat. Prochain tour pour la religion. Est-ce qu'on prend prédic? Moi ouais, je pense que... C'est pas sûr. Je pense qu'on prend d'abord dialogue interculturel. Ça va se spread rapidement. Là mes villes en pop ça va se spread direct. Et après ça va juste follow hein, au fur et à mesure. La pression religieuse va être moins intéressante, importante. Ok, 180 de fois. 180 de fois les gars. Electrolius, hein. On s'est passé tel sur des ressources, on a eu un land ok, mais bon, c'est pas fou, hein. Allez. On la prod. Alors, on prend la monnaie. On est à combien? On a 90 de score, c'est pas si impressionnant. En vrai. J'ai pas vu ça. Ok. Deux tours. Mysticisme. Alors attends pour écriture du coup. Ouais, je voudrais bien mettre ça moi. On va chop ça. J'hésite Work Ethic ou pas? Matchup. J'aime bien ce que je fais. Je suis assez fort, mais j'aime bien ce que je fais. Pour ça,
Construction derrière. Est-ce que je pourrais pas te faire un petit oracle là? Ouais, c'est cette carte là moi que je veux. Hein. Plus un de fois partout. Ouais, je suis parti sur ça, merde. Ok, 61 fois par tour. Là, je peux pas te chop. Je peux te chop la petite carrière ici. Allez, bam. C'est pas ça que je veux. Je veux mon temple. Petite équitation. Qu'est-ce que j'ai à chop? J'ai pas grand chose à chop. Hein. Ça sera cette nouvelle ville. On va lui faire chop des trucs. Alors, de l'ivoire. Qui deal? Miel l'ivoire. Ok. On peut chop ça là. Magnus il est pas tourné actuellement. Là je vois du chop. On va y aller. Il y a là, oracle. Tarder à être à 80-90 de fois. Ok pour les 3 mines.
On devrait être en plus 3. On va pouvoir travailler ça évidemment si on en a envie. On a ça à faire. Est-ce qu'on se remet un lieu sain là? Je suis pas sûr. Peut-être on se met un lieu sain là. Mais en tout cas, on va peut-être avoir la possibilité de chop. Non. Magnus, c'est pas bon là en vrai. Ok. En Osef. On réfléchit un peu, Gaston quand même. On va reprendre ça. Un point un d'écrivain. Ok, on... Oh, pop, 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 Bologne. Histoire écrite, j'aurai jamais, je vais le travailler. Je vais le faire. Je vais le finir. On n'a pas de discount à enclencher. Prochain tour, on va avoir Aritum. Peut-être travailler du bronze, mais j'ai envie de rien de chop. Et de jouer avec des séries sur la game. On va voir comment ça va se passer. Je pense que ça sera pas trop mal. Ah, est-ce que je me mets là ou pas? Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, je voudrais bien aller travailler ça. Construction. Ah, je suis à fond dessus. On a un petit bâtichi. Pas grand chose à lui faire faire du coup. On va attendre ça. Pas d'autres chops de bois ici. Oh, salut mon frère. Un dernier. Ok. Tristan. Croyance, plus 2,3. Oh mais il est con comme la pluie là. Où il s'est mis là? Ah non, c'était niqué. Ah non, c'était niqué de base. Il n'y avait qu'une seule ville. Par contre, il aurait dû aller chercher la ville la plus... celle qui récupérait le plus de cases. Et il a déconné sur ça. Un moulin qui tombe ici en vrai. Petit campus. En bas ici à la limite.
Ok, cool. Là, on va pouvoir faire le moulin. Et on va essayer de se foutre le campus dans la cape. Voilà, tout le monde a la religion et ça commence à se spread sur les différentes villes là. On voudrait bien une zone indus ici. Zone indus là? Pourquoi pas, hein? Un arbor d'abord. On a un nouveau bat à faire, possiblement. On pourrait s'acheter cette petite case. La mettre là. Là, il y aura un autre colon, mais il n'y aura pas de lieu saint. Et... On va se chopper l'hôtel. C'est pas très bien de chopper un hôtel comme ça. Il me rapporte quasi rien, cet hôtel. C'est le lieu 5 qui me rapporte beaucoup dans ma situation, étant donné qu'on a chemin sacré. Plus 3. 29 de science. Oui, il y a le pingala. 3,4 points d'écrivain. Et on n'a pas d'amphi, on n'a pas de carte. Pas de subvention. Méroé, 10 balles déjà. Non, je pense qu'on va partir en externe. Merde. Ok, maintenant débattre pour pouvoir travailler les scieries. Et on va économiser un petit peu, on n'aura pas réussi à faire féo. Hmm. 180, t'es 40, comment ça se passe? Ça se passe bien et on n'a pas de cité, ça c'est dingo. On va faire ingénierie, on va attendre tranquillement le moulin. On n'a pas posé le nouveau quartier ici parce qu'on n'en a pas encore en vrai. On a réussi à faire un petit d'habitation en plus, mais c'est pas suffisant pour le moment ici. 12 GPT, ça va hein. C'est grâce aux plantations en Outland. Merci Bob. C'est Campus Grand Bibliothèque dans la ville. C'était Campus Grand Bibliothèque dans la ville. Là ah, c'est fou là. Ouais, construction. Ah merde, le soleil est là. Okay. On a plus de colons en train de sortir. Oh, Bologne.
Merci beaucoup, Bob. On a un petit problème de place dans cette game. Mais on a réussi à combler ce problème au final. On va peut-être pouvoir se faire les diplômes, mais j'aime bien me faire une soulaie. Ah, quoique. Condition littéraire, là, je pense que c'est pas mal. Oh! On attend un petit peu de foi, on économise tranquillement. Ok. On économise de la foi pour aussi acheter un colon, je pense. Oh, toi tu n'as pas joué? S. Oui, bim. Merci Yagdrel. Bienvenue au sein. C'est bon, 117 deux fois par tour. On te dire. On a un colon disponible là. Hein. Je pense qu'on va l'utiliser. Et où? Ici. En haut. Sur l'une des deux cases. Et si on peut... Oui, là c'est bon. Là, à terme, je préférerais prendre celle-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pareil. On va les foutre là-bas. Est-ce que je me fais vraiment naguer? Ingénierie! Quand même. Ingénierie, on a rien qui va pouvoir être mis ici. Pas de zone indus en Ring 3 non plus. Là, il y aura une zone indus, j'imagine. Toi, tu vas mettre un aqueduc en mode bite de chien, hein, je pense. Toi, tu vas faire ton losange. Là, une zone indus. Malheureusement, on va pas mettre des aqueducs partout. Ça, c'est pas mal de te foutre là, en vrai. Comment faire ça? Je peux mettre un barrage là. Hein. Si je fais ça, barrage, double zone indus, triple, quadruple. Quadruple. Les termes. On va devoir finir les termes. Bandard Brunet. Oh, petite Wonder. Ok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Je voudrais bien donc zone indus. La plateforme quoi un peu plus tard, là il y aura Arbor. Ok, la plateforme cool hein. Comment ça? Ah oui.
On va pouvoir prendre en plus une religion qui va nous permettre d'avoir nos lieux de culte qui vont récupérer des chefs-d'œuvre, des artistes, etc. Donc du coup, les musiciens, un peu gratos. On te fait un bateau d'eux ou pas? Ouais. Ici, il faut que je te chope. Ah non. Il y a une grande bibliothèque qui tombe. Donc là, j'ai un colon et ça me fait 4, 8, 9 villes ici. J'arrive à reprendre un peu de côte. Elle est pas très belle cette côte là, mais bon, j'ai vu le genre, bon, correct. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Là on est à 10 points d'écrivain par tour, ça va augmenter, ça va être bien. Et d'ailleurs on peut enlever ça. Ouais, je veux bien le savant. Je veux bien le savant. Il y a toujours un grand bibli, hein. Je pense qu'elle se met, hein. Ah, j'ai posé le campus ici. Je vais te faire navigation. Un dernier bâtissier. Après, on en rachète deux prochains tours. Si on en rachète deux prochains tours. On peut pas changer nos prods ici. Il va falloir qu'on mette la zone indus ici, hein, j'avais dit. Victoire scientifique ou culturelle, tu fais ce que tu veux. Et bim, apprentissage. On est parti, et là, on te remet un petit arbor. Ça a l'air d'être correct. Watch up. Deux battes peut-être. Allez, nickel. On va voir fonction publique, je pense. Lucien, il a perdu son chagrin. Mmh. 50-50. C'est ok, plus 9 de science. Ah bah ça se prête, hein. Plus 14.
Là c'est pareil ici. Norvège. Religion dominante dans 8 villes. Aujourd'hui. Ouais, il faut que je fasse des séries ici. Bonjour Pipo. Très bien. On n'achète jamais de cases à la fois. Mec. Plus seulement. Quel bon buff. Quelle belle idée. Faudrait bien chop les forêts trop. Au bout d'un moment. Allez, en attendant. Vraiment très très chill, hein, camarade. Mon prochain tour fonction publique. J'avais pas vu qu'il y avait toujours ça. Ah, Ruga maintenant. Commence à faire beaucoup, non? Cette ville-là, elle travaille rien. On a besoin d'un petit peu de sous maintenant. On est en train de faire ça. On se prend un écrivain. Je chope ça. Le plus 3 est trop important, etc. Ouais, c'est un bois, c'est important. Mais sinon, j'ai pas de quartier. Apprentissage. Il va récupérer quoi de plus là? Oh, il me fait chier. C'est bon. Va falloir que j'achète cette case aussi. On va chop le bétail. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On a une petite série à faire. Est-ce qu'on chop avec Magnus ou non? Il nous manque des sous. Ah, c'est notre problème. 274, hein, on est apparemment pas mal. Droit divin, bien sûr. Bien sûr, droit divin. Oh non, le Maori, il est en anarchie. 0-0, non, le Maori en anarchie. Pas ça. Il aurait pu se pousser, lui, mais bon. Mmh.
une petite route en plus. Ça ne fera pas de mal. Apprentissage enfin. Donc, je pense qu'on peut mettre un barrage ici. Ça fait zone indus, zone indus, zone indus, zone indus. Non. Là, je peux mettre un barrage. Bon, bah, on verra si on peut mettre un barrage ici. Putain, je peux pas. Les sous. Tranquille. Non mais Oshi, ça va. C'est Oshi. Allez. Petite bibliothèque. Ah, je te fais l'amphi parce que j'ai un problème là. Tellement. J'ai besoin de beaucoup de battes, hein. Faudrait que je rachète un colon. Déjà en train de faire des biblios. Mmh, tour 49, 296. Mmh, 309, tour 50. C'est-à-dire que c'est bien. Vous savez, c'est ma... mon petit truc. C'est pas faux, les gars. Alors, un bat, j'aurais dû le faire avant. Je vais juste mettre... non, je vais finir les bats. Homelige. Petite chevalerie, histoire de... Quasiment sûr que je peux mettre un truc ici. Hein. Tour. Ok, il faut que je pose les émissaires dans les cités tableux. Là, ça a eu le... il y a eu le premier refus. Il est... Viens lui. Viens aujourd'hui lui. Ouais bah hein. Ouais bah c'est bon.
J'ai pas réussi à changer ce que je voulais. Ok, un petit peu de corse. Les spécialistes, ça va être bien. T'as tes alliances, toi? Il était... Fait chier. J'aurais peut-être pas dû prendre Feed the World au final. C'est trop. Je pensais pas que ça allait être trop. Bon, il y avait des indices quand même. Mais bon. J'ai hésité, hein. De marché, attends. Bon, Brunei a déclaré la guerre à Hong Kong. Ce point ici. Ah, ils ont pris le LES avant. Ah, je peux pas tout avoir. On est sur éducation là. Hein. Ouais, faut y aller. Il faut faire le plus de bâtiments de production, de bâtiments dans nos villes. Pour pouvoir lock les spécialistes. Deal, quoi. Bon, après là, pas de lieu ça. 19 de science. 2 tours. Oh, c'était ta blanche, la Chinguetti. Prochain tour, on se rachète un bat là. Ils ont bloqué les savants. Enfin, pas bloqué, mais ils sont à 305 maintenant. Pas mal cette version. Combien de leçons ? 5 ? Oh ouais. Nourrir le monde, dialogue interculturel. Et on est parti, chemin sacré. On a travaillé nos bois. On avait 3-4 bons bois.
Bon lieu Saint-Bois, donc. Ah, t'as vu, c'était 6-6, ça, on va partir. 4-5. Et je lose. La chapelle, hein. Allez, Guil. Ouais, ça fait un moment que j'ai oublié. Ceci. Rodko et religion. Dernier joueur sur la map, Pranavashem. Un bon 100-100 en menu. Merci Rome. Ouais, je voudrais bien mettre une case à gauche, il y a plus de bois à récupérer. Ah voilà. Voilà un truc correct. Melbourne, voilà. Premier débat, c'est fini. Église réformée. Et... Bonjour Niwin. Et merci beaucoup. Ouais, j'ai oublié ça. Je vais te dire merci. Ok, un petit 110, 140 là. On va se faire... Ah, bon, faut qu'on se fasse le terme. Qu'est-ce qu'on a comme ressources de luxe? Bon, ma Maletto est pas mal hein, avec sa libre pensée là. 4, 8 villes pour moi uniquement. On est sur les ingés, on est sur les savants.
Écrivain, on a un peu de mal. Chapelle Push? Ah, je pense, hein, Chapelle Push, mais pas John. Bah non, c'est mon allié, John. Non, on va... Ça me dérange, camarade. Camarade, est-ce qu'il m'avait dit quelque chose? Le mec, il m'avait parlé. Faut pas faire ça. Camarade, il m'a parlé. Chill, camarade. Mais jamais répondu. Bon. Pas le chevalier push, en vrai. On va le chapelle. Mais pas tout de suite. On va d'abord faire notre religion. Et on va le chapelle plus tard. Peut-être sur cuirassé. Une tout blindée. Je pense qu'on va la faire à l'ancienne. Vous en pensez quoi? Bonjour Thibaut. C'est beau mec. Je sais pas, c'est Ibanka qui sait pour les soignants. De la soie, j'ai pas de soie moi. Quel culot, un mec qui lit pas le chat. Ah ouais. Et tant pis. Hein. Le petit plus 17 ici. Rien d'autre à prendre. En plus 18 là, ouais, mais bon. Rien d'autre ? Réfléchis. Hein. Je pense pas. Ok, donc à chaque de la fois, on se faire les apôtres. On va commencer tranquillement ceci. Il va falloir acheter un bat ici, hein. C'est sûr. Bon, j'en ai marre. Exploration auto. Pour moi. Fatigante. Ça, il arrête pas l'autre, hein. Le Magnus, c'est dans Setia. Lui va rester dans Ostia. Pas grand chose à travailler. Alors, faut travailler des spécialistes, mon frérot. Si je te fais des ateliers, si je te fais des amphithéâtres. Combien de sciences? 23 de sciences. Pas mal. Pas de prédicateur. Trop proche. Ouais, t'es bien, hein. Mais je pense que... Pas si nécessaire. Alors, peut-être qu'on va se le faire, mais bon. Formation militaire. Mission navale derrière. Pas faire un truc ici. Ouais, c'était là que j'aurais dû le mettre. De chien, hein. Là, je regarde, ouais, il y a que ces deux cases.
Oui, bah... Hein, la comète. Voilà. On a changé le style complètement à cause de toi. Cathédrale ? Oh mon. Ah, je suis en train de faire des trucs, mais je suis en pause. Ok. On se préfère le petit terme ici. Faudrait que j'aille sur balistique pour avoir le point de prône en plus. Est-ce qu'il y a un autre point de prod sur... sur les bois, un peu plus tôt dans le jeu, je pense pas, hein. Que balistique, voilà. Production plus simple pour les séries. Mais pas autant pour pouvoir vraiment faire ça, je pense. Oh non, c'est pas vrai. Ça va. Moins pire que prévu. Okay. Galilée qui est passé. On peut peut-être économiser pour le prochain. Ça, ça nous intéresse pas trop, donc. Allez, petit amphi. On va prendre les univers. Gros problème hein, avec cette ville. Il me faut battre bientôt. Combien coûte mon bat? 300. Bonjour. Ah, Verag, Vareg, là il est là, il est dans la game. Il est dans la game. Je suis de culture. j'ai rien à dire apparemment. À côté de la grande bibliée? En haut là, non. En haut, pas possible. Juste ici. Ici, là. Normalement, tu peux ici, mais c'est parce qu'il y a un embranchement avec une autre rivière. Cours d'eau Tibre, cours d'eau Ofanto. Et ça nique. Ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas réussi à faire en jeu. Ça. Cette situation-là avec le cours d'eau qui se divise avec un autre fleuve. Non, ça, c'est vite de chien. Un artiste. Ok. On va chez l'artiste en foi.
Construire une plateforme commerciale, c'est pas dur, Cupcake, ça, normalement. On devrait pouvoir s'en sortir. Bien 200, hein. 300, 300. Je vais pas le faire prochain. On va booster ça, ça. Humanisme boost, c'est bien. Et ça te fait plaisir. Le nouveau patch BBS a drop, il a l'air incroyable. Comment ça il a drop? Il est en live? C'est le cas un peu bite de chien, mais bon, tant pis. Ingénierie. On attend ingénierie, attends de voir. De toute façon j'ai deux emplacements, j'ai trois emplacements pour mes zones indus. J'aurais pas de problème. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. On espère avoir de salpêtre ici, là. Il est chaud le Norvégien. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous pousser, monsieur? On a perdu de la foi évidemment, mais on veut pas perdre de science. Non, ça va avoir non, on va avoir la quête. Petit barrage prochain tour. On achète ça. On recrute un marchand illustre, on l'aura pas. Là, on va se réparer l'atelier. 90 de prod. On fait combien? On fait 55. Ça fait donc 110 et la réparation c'est 20. Donc on va finir la chapelle prochain tour. Ok. On est en train de bloquer des trucs. Le comrade a déclaré la guerre à Fès. Merde. Il y a l'air de la guerre qui est en train d'arriver. Bon. Je pense qu'on va économiser un petit peu de points de... Deux fois aussi. Bon là, il va me faire un chevalier. On va faire ça. On va faire le chevalier qui va peut-être aller sur Lincoln. Mais Lincoln, ça veut dire qu'il va avoir des unités là au fur et à mesure. Ça, c'est pas glop. Le Perse derrière. Alexia? Mauvais joueur, Alexia. Avant. Okay. Parmi les...
Et si on se faisait un apadana en fait? Rien du tout ici, évidemment. On va se faire la padana d'abord. La padana. Musée d'art, ok. On se refait un marché. Musée archéo. Voilà le carré, let's go. On a eu le boost avec un petit savant. J'ai cru qu'il y avait le truc. Ici, qu'est-ce qu'on fait là? On reste comme ça pour le moment. 5-5, 34, c'est la meilleure carte que je peux avoir. Ouais, je suis en plus de... Allez, on finit la chapelle. On va s'acheter 2-3 units. On se chope ça, on va espérer que ça le sorte. Il est irréel mon poteau. Ils sont irréels mes deux poteaux en fait. Mes poteaux en fait c'est les deux moins bien dans la game. Ok. On va avoir de la chance parce qu'on va pouvoir le refaire là derrière. 195 de science. On va se faire ça, je pense. Elle est bonne. Marchand illustre, ça sera possible ça ou pas hein? Peut-être. Musée archéo. Au bout d'un moment, on va être bien obligé. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? J'en ai ça. Quand t'es mis en premier? La petite Liang, elle est où? Non, la couleur. Hein. On a le libéralisme qui peut arriver bientôt. C'est tôt, là. Hein. 9 villes, Rome. Normalement, je vous dis, Rome, on fait le plus de villes possible le plus rapidement. Mais là, on a fait lieu saint, on a fait Feed the World lieu saint dans un empire très très tôt. Et pourtant, ça marche. 32 sciences, en plus ici, grâce à ça. Église mondiale, l'autre côté. 151 de culture pour lui. Ouais, la musique. On vise quelle victoire? Peut-être culturelle, on va voir. On va voir. Allez, on va pouvoir roadshop derrière. Thank you.
T'inquiète ça. J'ai oublié celle-là. Ouais, j'ai complètement oublié. Prochain tour. Je pense qu'il n'y a pas trop de sacs de prod. Ok. Un bâtisseur, il y aura un dernier de l'autre côté là, je m'en rappelle. Là, tu vas aller sûrement dans un truc comme ça, toi. Ah, toujours un petit peu de manque de gueule. Bonjour Obscur Cerber, je sais pas si je t'avais salué. J'espère que tu vas bien. On a Bologne. Bologne, ça nous permet d'avoir quand même plus de générations scientifiques, d'écrivains, etc. C'est vraiment très très bien, quoi. Là, surtout sur les zones Indus, là, 25 points, les autres, ils doivent se demander s'ils ont pas vu la cité-état, quoi. On est en train d'enchaîner quelques merveilles, il nous faudra nos usines, maintenant. On va finir peut-être un musée d'art et le... Ouais, un musée d'art ou deux, en vrai, parce que... Je veux dire, on est pas loin, mais on est quand même un peu loin. Alors qu'est-ce que tu fais toi? On va attendre un petit peu, voir. On va rouler tranquille. Là, je te prends ça. Ah, il a fait un projet, il est vraiment au taquet du coup, ça veut dire. Il va y avoir Bisheng derrière. Si je vois de l'approche, je dois cliquer. Toujours 39 de prod, hein. 39 de points, pardon, pour pouvoir le récupérer. Ça veut dire que le Perse n'a pas joué justement dessus. Il a ni récupéré, ni refusé. Refusé pour en prendre un meilleur, évidemment, l'accepter pour passer, quoi. Pour repasser à autre chose. Un peu dingo ce que vient de faire quand même. L'autre. Ok, un émissaire, un... pardon, une unité plutôt. Ça, j'en aurais besoin. Bon. Problème, lui, il a récupéré tous les ingés. Bon, est-ce que c'est un vrai problème? Non, mais pour bah, la game, en fait, moi, ça me dérange un petit peu. Est-ce qu'il va pouvoir faire, par exemple, statue de Zeus? Peut-être qu'il va récupérer une petite cité interdite, je sais pas. Évidemment, moi, c'est que des trucs que je vais avoir envie. Là, hein, qu'on se met, hein.
Oula. C'est pas mal, hein, ouais. Allez, première usine dans le land. Ah, tactique obsidionale, c'était déjà boost. Et j'ai une unité dans chacune des villes. Grenier, grenier, on Osef. J'ai pas Osef ici. Ok, on va se faire la petite tactique derrière. Mercant, non, Mercant, on n'y arrivera pas. Hein. De toute façon, on n'a rien d'autre à les boost, en vérité. Ah bah, je voudrais bien avoir le Kiloa, mais... Lui, il a pas l'air d'avoir de mer, donc ça a l'air d'aller déjà. 214, 253. Est-ce qu'il y a des gens, quand même, sur les artistes? 4 points, 4 points, 2 points... Pas beaucoup. Beaucoup. Pas de musique. Pas de musique. On manque 165. On est vraiment à la limite. On pourrait gagner peut-être un tour avec la carte, en vérité. Non, rationalisme qui prend plus, ça veut dire qu'on avait quand même pas des très bons campus dans notre land. Hein. Une petite ressource de luxe de plus. Peut-être réussir à avoir le plus 5. Un petit cacao. Du cacao. S'il vous plaît, monsieur. On est premier en termes de tech. Ah bon. Pas très bien. Aura, Grande Bibliothèque, Apadana, et il n'y a que moi qui ai fait des monneurs en fait. Et une petite usine un peu partout là, ça a dynamisé notre land, plus 6 de prod, machin. Centrale à charbon derrière.
cette ville-là qui va exister au final. Un conseil de chop. Super à balai. Pas mal cette ville, non? Ah, là, je note de la foi, là. Ouais. C'est un peu bizarre, mais bon. T'es toujours à un tour? 55, nickel. De science, ça fait pas rêver. Hein. Sous ça, frérot. Oh frérot, faut pas la culture plutôt quand même. N'abusez pas. On a chercheur sur mention, on pourrait se faire le RECA, hein. 8 de sciences supplémentaires et 6% de plus de sciences actuellement. Oh! Imagine on l'a pas et tout. Bon. Il a pas pris ça. Et il y a plus rien, frérot, derrière. Après, c'est 500, hein. Philippe, il est déjà pris. Ah, comme tu veux, mais... Ok. Alors ça c'est un peu dommage, on n'est pas à côté d'une rivière. J'ai pas pensé à ça. Akkad. Ok. Cette tour. Ça marchait ça ou pas?
Ok, pour fondre des métaux. Le chevalier, on pourra pas. Et deux banques. Peut-être qu'on va en acheter une. Et ah non, non, on voulait le faire old school. On voulait 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 faire old school. On va faire old school. On va faire les techs évidemment, mais on va faire old school. On va raser le mec en face de nous là. Ça part full spread. Un peu déçu. Je pensais que ça allait être un peu mieux. Ouais. Le Taruga. Ouais. À Hong Kong, Serra. Ah frère, moi je le prends. Ouais, voilà. Oh merde. Candy. J'avais dit old school. Donc on va faire des pré-builds de chars lourds. C'est ça old school. En attendant, je vais pisser. Ah, j'ai oublié évidemment de mettre la cité tableau le Killua. Bonjour Gergail. Ah. Non mais j'ai un sur le sentier de la guerre. Bon. Merde. Donc on a prévu l'île du char lourd qu'on a dit. On tue une one turn un peu. J'ai pas le kill hein, sur le... Sur bas, 15. On a ça les gars. On a ça. Oxford 6. On va finir notre religion. Mmh, mmh, mmh.
ça ne sert à rien de le travailler. On chope le truc derrière. Ça a l'air d'être important ça. Ouais, un petit tour en moins là. Et... on monte à combien? On a que 231 là? Non, mytho. Mytho, on n'est pas à 231 de science avec Kilo à double cité et table. Me dis pas ça. Me dis pas ça. Vas-y. On n'a plus l'alliance. Petit truc. On va pouvoir se faire ça un moment. Le barrage bien senti. On pourrait se faire le Shishen, mais bon, on n'a pas tant de forêt trop. Hein. Espion. Et deux banques. Putéolier et Yetium. J'ai encore 10 émissaires. Des trucs ici. On va se préparer tranquillement. Hein. Des chevaliers, des charlots. Chevalier, ça sera plus raisonnable. Hein. Pas énormément de gold. Hein. On va avoir beaucoup de chops. Hein. On aurait pu avoir beaucoup de chops si on était parti sur une scientifique. Je veux dire. Bonjour. Ah, pareil pour le titre de Gouv, hein. Pas trop sur quoi partir. Une route en plus, la Liang. La Mani qui est à Bologne actuellement. On va se mettre Eureka ici, tiens. Gagner 12 de science. Pas mal. On regarde à droite, à gauche.
Alors, canon de campagne, certes. Un tour de conservation. Sciences militaires, on va vouloir acheter l'école militaire. Oui, messieurs, dames. Et je voudrais bien faire en fait des chars lourds 2 étoiles. Je pense que ça, c'est pas mal. J'ai refusé l'accord. Petit salaud. Le salaud. Est-ce que je fais ça? J'ai pas beaucoup hein, de génération points d'influence. 5 par tour. Tu te rends compte? Je peux pas faire n'importe quoi avec mes émissaires. Il aurait peut-être fallu acheter des ingénieurs pour faire balistique. Hein. Ou alors pas faire cette centrale à charbon, elle est un peu... sus. Combien un mec là? 85 de prod. Et on va voir 85 de prod sur la centrale à charbon. On est bien au deg. Okay. Oui, on peut faire ça. Ouais, mais moi, mes lags, j'y ai foutu des arbores partout. Ça, c'est pas bon non plus. Miam! Prochain tour, je peux faire ça. Ouais, je veux acheter l'école militaire. Ça me permettra de faire des régiments. Et à cause... On va réorganiser un petit peu les écrivains, etc. Mais... Full ok, là. Il y a un prochain artiste qui arrive. Et on aura le musicien. On va se faire du fascisme, hein. Ah, c'est une game de fascisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est fasciste, les gars. Eh ben, pourquoi pas? On n'est pas souvent fasciste. Si, si, on est souvent fasciste. Quand même. Faut pas dire. Bonjour, Charlito. On ne sait pas, mais on va essayer de mettre de la pression au mec à gauche. Cool. Oh ma scientifique, putain. C'est bien sympa, les gars.
Je me suis planté, j'ai misclick. Pas de bon misclick. Ok. 300. Je suis plus en menu. En pleine brèche. Pas mal cette fonte des métaux qui se finit au moment de Oxford. Ça va d'abord finir fonte des métaux, ça va me donner de la science sur rien du tout et ça va finir Oxford. Je vais pouvoir faire aviation si aviation n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on va avoir? Moteur à vapeur, assainissement, science. Science éco. Aviation. Ok. Accept. Hop, notre ingénieur militaire. Là, on se fout. Chevalier, régiment en prod. Là aussi, et là aussi. On s'en fait deux petits. Des œufs culture quand même, hein, j'ai perdu. Ok. Réforme, hein. On va avoir besoin de sous, on va acheter des bombardes en mesure. Comme l'ige, c'est bientôt fini. Et un petit encore vat. Ça, moi. Combien de tech d'avance? Oh bah je suis top science. Non mais les gars. Les gars, je suis pas parti top science. Je suis parti voilà. Et l'autre il est en train de piller des gars. Il a 1300 d'armée. Et il fait quoi? Il est où? Je sais pas où il est moi le mec. Bonjour Ali. Oh Mali, c'était une bonne game hier. Ouh là là, on s'est frotté les mains, on était bien. Bonjour à vous tous, il est 6h13. 6h13. C'est le moment où on arrête le télétravail. Bon apéro à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien bossé. On est quel jour? On est jeudi? Deux jours? On est mercredi. Pff, milieu de semaine, bite de chien. Allez, on vote pour le congrès. L'hindouisme? Le judaïsme? L'hindouisme. Pour mes parents.
Bombe culturelle, je me fais niquer à chaque fois avec ça. Je veux pas que ça soit l'autre qui le récupère là. Moi je voudrais bien récupérer pour pouvoir mettre une petite bombe culturelle, tu vois, genre là. Genre là. On a qu'une seule tech d'avance par contre. Ça, ça avance. 11 touristes. Bonjour Stargrill. Salut Gangrel. Ça rapporte. Écarté, tu vas lui plus en god que le coup 1 unité et la prod dessus. Oui. Parce que ça va être. On va avoir besoin justement de up. Donc j'ai envie d'avoir des golds là actuellement. Au lieu d'avoir le négatif un petit peu de GPT de l'entretien que tu es en train de me parler. Qui sera pendant la guerre. Et là je vais piller. Donc du coup. On fout. Là, je vais piller, je vais avoir des trucs. Ça va bien se passer. Le pillage, tout se passe bien. Allez, balisticos. Je te refais un dernier coup. Oh my god. J'ai trop, hein. Trop, c'est sûr. On va garder les petits 1 étoile pour les mettre en 2 étoiles un peu plus tard. Miam, on avait dit. On peut faire un espion, on peut en faire deux. C'est d'où ça? Pour toi. Ouais, c'est pas un mauvais timing pour ça. Je pense. On va faire ça. Comme on avait dit. On va lui prendre des cases au mec. Deux routes à faire encore. Ah j'ai pas repris Bologne. Merde. Ah bah Gérard il s'est énervé là. Qu'est-ce qu'on fait? On la reprend je pense. Hein. Une zone Indus. Pas de nouvelle zone Indus à faire. Hein. Encore Vat, mort. Pas terrible tout ça. Je sais pas quoi faire. Merde. Grosse prod, c'est ça. Bon, c'est pas terrible ça. Hein. Ah, j'aurais dû prendre des cases. On va Econosso.
Je vais pas l'acheter tout de suite, ça me fait descendre mon... Pas bon. Ça me fait descendre mon entretien. Ça me fait coûter plus de sous.